Bien chers amis de la Fondation Edith Trump, bonjour et permettez-moi, en tout premier lieu, de vous souhaiter une très, très, très belle année 2024. Que ces 12 mois qui s'annoncent voient se réaliser tous vos rêves, voient se réaliser tous vos désirs. Comme vous le savez, dans l'étymologie même du nom de notre fondation, Edith Trump, se trouve le mot « Traum » qui veut dire « rêve » dans la langue de Goethe. Et du rêve, eh bien, nous en apportons toute l'année depuis maintenant plus de 12 années, à travers les concerts, évidemment, qui sont des grands moments de partage, à travers les expositions, à travers les conférences. Cette année, nous serons présents, plus particulièrement en Autriche, pour célébrer avec l'Office national du tourisme de la ville de Vienne, qui est un des premiers partenaires officiels de notre fondation, pour célébrer le bicentenaire de la naissance d'un des plus grands compositeurs de musique festive, Johann Strauss. En effet, c'est en 1825 qu'arrive au monde ce génie de la musique, ayant déjà la tradition paternelle dans ses gènes. Il nous quittera quelques mois avant le seuil du XXe siècle. À travers des concerts, à travers des conférences, nous célébrerons ce génie musical. Pour ma part, je monte un nouveau spectacle en compagnie de mon ami Thierry Kaufmann, pianiste, et Martine Godet à la flûte traversière, pour vous restituer ces joyaux de la musique viennoise. Nous nous retrouverons dans les quatre pays que nous desservons, l'Autriche, la Suisse, le Liechtenstein et le sud de la France, avec naturellement, au mois de septembre, le festival Chansons Étoiles. D'ici là, en compagnie de ces paysages enneigés qui défilent devant vous de la Principauté, je vous renouvelle au nom de tout le Stamm de la Fondation tous mes vœux pour 2024. Et nous nous retrouverons au hasard des vidéos que nous postons chaque mois. Comme vous le savez, la Fondation ne filme pas elle-même, ne produit pas de vidéos. Ce sont tout simplement les sociétés de production, les télévisions ou tout simplement les particuliers qui filment. Et si nous jugeons que la qualité des images et du son est bonne, eh bien nous vous faisons revivre ces moments de partage. D'ici là, encore une fois, bien chers amis de la musique, bien chers amis de la Fondation, excellente année 2024.